Yo les gars, c'est Yensi, on se retrouve pour une petite vidéo sur Black Clover Mobile. Je sais pas si je suis très bien avancé dans le jeu. Ce que je sais, c'est juste que je joue tous les jours. Je fais mes petites missions quotidiennes, etc. J'avance pas encore dans l'histoire parce que j'ai un peu la flemme. Là, juste, j'avance les quêtes quotidiennes, je monte mes persos, je fais les défis, etc. Par contre, je suis toujours full. À chaque fois, je suis capé. Le lendemain, quand je relance mon jeu, mon repère il est à 100%. Pareil pour mon énergie, elle est à 100%. Donc je pense que j'en perds énormément. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des petites invocations. Alors, déjà, tous les jours, je fais mon invocation gratuite. Et j'ai eu, là, à l'instant, un nécessaire. J'aurais dû le faire en vidéo, mais je me suis dit, bah, un nécessaire, tu vois. Enfin, pardon, un personnage par jour. Tu vois, je vais rien avoir, logique. Mais là, j'ai eu un nécessaire. Et puis, je sais même pas où est-ce que je peux voir. On peut pas voir nos ce qu'on a invoqué? Non, je crois pas. En tout cas, j'ai eu un cône plutôt stylé du mec zombie là, je sais plus qui. Donc voilà, c'est pas mal. Je vais vous montrer aussi ce que j'ai eu les autres fois. Et après, on va aller invoquer. Alors, du coup, j'ai eu celui-là. Je me rappelle plus si on l'avait eu en vidéo. Honnêtement, je n'ai aucune idée si je l'avais eu en vidéo. En cône, du coup, j'ai eu lesquels? Attendez. On va descendre un peu, puisque là, c'est tous les. Ah, mais je peux pas le voir. Je peux pas le voir vu qu'il est pas. Il est pas là. Alors j'ai eu celui-là. Bah, je crois que c'est lui que j'ai eu. J'ai eu les deux là qu'on avait vu dans la vidéo la dernière fois. Ah non, c'est celui-là. Ok, c'est celui-là que j'ai eu aujourd'hui. Enfin bref, j'ai 3 milliards de coups nécessaires. Donc pourquoi pas. Et donc, on va aller invoquer tout de suite. Alors d'abord, on va se faire la petite multi avec les points d'amitié. Si on peut avoir un psycho nécessaire, je dis pas non. Malheureusement, on n'aura rien. Ok. Je sais plus si j'avais déjà eu un truc SSR là-dedans. Je crois que oui. J'ai pas envie de dire de bêtises. Mais je crois que j'ai déjà eu un co nécessaire basique. Il me semble. Ok. Et ok. D'ailleurs, je dis des cônes, mais je crois que c'est des pages de compétences. Mais bon, c'est pareil. Alors du coup, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va continuer d'invoquer ici. La dernière fois, je sais plus combien j'en ai fait. Bah 70, je crois. Je crois que j'en ai fait 70. On va continuer parce que je veux Ria. C'est un très bon perso au final. Donc, let's go, hein. Et puis, il me faudrait aussi Noël. Mais Noël, elle n'arrive pas maintenant. Donc bon. Petit SSR, ok. Et donc, comme Noël, elle n'arrive pas maintenant, et bah on... Oh! Ah! Let's go, les gars! Je vous ai cassé les oreilles, mais on a eu deux SSR. Incroyable! Bah imagine dans les deux persos, ça serait... Bon, j'abuse un peu parce que faut toujours croire en ses rêves, mais là, j'avoue que... Mais on sait jamais. Mais du coup, il me faut Noël, la suite de la saison 2, quand elle sortira. Et il me faut mes deux petits SSR aussi. Enfin non, juste Ria, juste Ria. Si j'ai une page de compétences plus Ria, ça me va. Mais après, deux persos, j'avoue que c'est toujours mieux. Ok, déjà on a plein de persos, ça j'adore. Je préfère largement avoir des personnages que des pages de compétences. Ok, déjà on a un perso. C'est qui? Oh, let's go les gars! Let's go! Putain, let's go! Vous vous rappelez la dernière fois la vidéo? J'avais que des pages de compétences, j'avais trop le démon. Et là, première multi de la vidéo, bah Ria, SSR. Oh là là, je suis trop heureux. C'était exactement ce qu'il me fallait. Voilà. L'un des meilleurs persos du jeu pour l'instant. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est un deuxième perso SSR. Si on a une page, c'est un peu triste. Mais je prends aussi, bien sûr, bien sûr. Mais en attendant, tant qu'on voit des animations comme ça veut dire qu'on a des persos. Et donc, si on voit un petit texte en blanc, c'est encore mieux. Ok, une page de compétences, c'est un peu triste. Elle est bleue. Ok, ça me va. C'est pas Ria, ça. C'est Yuno. Non, non, pas une page de compétences. Oh non! Non, j'ai trop le démon. Bon, au moins je l'ai pas. Imaginez, j'aurais eu encore celle de Reya ou l'autre monsieur là, alors que je les ai déjà. C'est Vato l'autre? Non, je crois que c'est pas lui. C'était sûr, on allait avoir une page de compétences. Vas-y, en vrai, je prends, je l'avais pas. Ok. Bon, la multi a commencé très bien. Avec que des persos. Et à la fin, on a eu que des pages. Ok, et bah je suis très 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 content. La vidéo va durer du coup vraiment 4 minutes. Mais bon, on s'en fout un peu. C'est quand même très cool d'avoir ce qu'on voulait dans une multi. Du coup, voilà.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vraiment bombarder les likes, abonnez-vous, mettez un petit commentaire pour me soutenir. Et puis, ciao!